Ah, merde. Où est la voiture? Lina Navarro. Elle nous a volé la voiture pour la refiler au clan. Vraiment? Alors tu me sers plus à rien. Bon séjour en tôle. Cela dit, tu veux te venger d'elle? Et moi aussi. Ouais, on va s'arranger. T'es peut-être un as, mais c'est moi qui tiens les cartes. Qu'est-ce que tu racontes? Pourtant, les flics sont pas loin. Alors soit tu vas en tôle, soit tu bosses pour moi. Tu mangeras, tu dormiras, tu conduiras, quand je te le dirai. Et le moment venu, t'auras ce que tu veux. Est-ce que j'ai le choix? On a toujours le choix. Allez, monte! Quand tu te retrouves face à une belle bagnole, tu penses à quoi? À combien elle coûte? À la vitesse qu'elle peut atteindre? Moi, voilà ce que je pense. Je vois du potentiel. Je vois un nouveau défi à relever. Je me vois prendre tous les risques pendant une fraction de seconde. Je me vois, moi, en train de gagner. Morgan, le patron attend sa voiture! Ouais. J'arrive tout de suite. On va s'amuser un peu. Le boss a rendez-vous avec une grosse légume du clan. Ils sont en train de conquérir la ville. Qui a intérêt à ce que la voiture du boss soit là, après? Tu rigoles? Je crevais d'envie de poster un combien je me suis fait flasher. Les B11 de Wear, c'est pas tous les jours qu'on fait un tour avec. Ça lui apprendra à engager des pilotes au boss. Mais moi je pilote plus, tu te rappelles? Le marché, c'est plus jamais de course ou c'est direct la tôle. Non, c'est dommage. De nos jours, le clan file un max de blé à des pigeons pour truquer les courses. Et t'as peut-être plus besoin d'essayer de gagner. À quoi ça sert si c'est eux qui décident qui gagne et qui perd? Le fric, vieux. Il fait super bien. Voyons à combien elle monte, cette beauté. Ouais, celle-ci, je la vole pas. C'est comme ça qu'on traite les amis, Tyler, hein? Ça s'est pas passé comme ça. À mon avis, ils sont pendus au téléphone à attendre ton appel. Ton coup parfait a complètement foiré. Et ton coup adoré est devenu le gang le plus recherché de Fortune Valley. Pour s'en sortir, Miller a dû jouer les chauffeurs pour des petites frappes. Et il paraîtrait même que McAllister roule pour le clan maintenant. Quant à ton mécano, et t'imagines qu'ils vont répondre quand tu appelles. Tyler, écoute-moi bien. Maintenant, tout à la vie, c'est moi. Oui, Navarro se le fera cher, et oui, je retrouverai ma voiture. Mais il faut que tu sois patient. Compris? Je suis sûr que t'es sur le point de revenir dans l'ordre. Je prends ça pour un oui. Maintenant, reviens ici avant que je m'énerve comme jamais. Compté, ouais. Soit tu vends le casino, soit on te le prendra. Ah, toujours aussi sympa. Ah.
bonne balade, Tyler? Arrête, gamin, c'est pas le moment. C'est moi qui décide quand on abat les cartes. Ça fait 6 mois. Sors de là. Si je trouve une seule trace de doigt sur mes rétros, je te fous au volant d'un camion poubelle. À demain, la terreur! Allez, Ty, on rentre à la maison. Petit détour par la maison et je me débarrasse de ce costard à la cour. Alors ? Eh, hey, mauvaise nouvelle. Le boss a retenu une partie de ta paix. Il y a eu des raclures sur la S-Type de sa conduite hier. Hein ? Je peux pas cabosser la jug ! Eh, hey, c'est pas moi qui décide ! Mec, tu peux pas me faire ça. J'ai 2 loyers trop tard. Oh, 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 tu crois que je suis plein aux as ? Qui a marqué Porsche sur mes caleçons ? Ta mère, vieux, assume ! Mes chers pilotes, c'est votre gardienne qui vous parle et vous écoutez la voix de la rue. On est en direct depuis Fortune Valley la Rebelle. Les rues vous appellent. Elles n'en peuvent plus de n'être qu'un trait d'union entre un taf et une maison. Mais vous, vous êtes des pilotes. Vous ne connaissez pas la routine. Qui parmi vous saura dompter cette ville? Qui sortira vainqueur du rush? Êtes-vous à la hauteur? C'est la saison de la vitesse. L'Outlaws Rush arrive à Fortune Valley. Seuls les meilleurs peuvent y participer. Mais seul le meilleur des meilleurs pourra le gagner. Si c'était toi. L'Outlaws Rush. C'est ça, ouais. Ça peut pas continuer comme ça. Je devrais déjà m'attaquer à Navarro. Je perds mon temps avec le flambeur. C'est Ty. À propos de ces courses de rue, file-moi le numéro. Où et quand, et j'y serai. Waouh, waouh, tout doux. Tu crois que le clan recrute n'importe qui? Tu vas d'abord devoir faire tes preuves. Si tu nous montres que t'es au niveau, alors seulement t'auras ta chance. Ok, mon grand, voilà ton premier test. Gagne, tu verras après. C'est parti! Tu as perdu ta peinture, viens la chercher! La ligne d'arrivée. Première place. Ok, ok, ouais, pas mal. Peut-être que tu seras utile au clan. Plus 3, tu traînes. Vous savez que je suis au niveau pour le clan. C'est bien, ouais, t'as fait une belle course. Et si c'était un coup de bol? Tu participeras à une autre course avec des concurrents sérieux. Et cette fois, un bon résultat aurait du sens. Comme si c'était fait.
On y est. Si tu gagnes, alors tu pourras piloter pour le boss. Les gars, vous avez aucune chance. Alors, t'en dis quoi ? Un tour et vous serez tous perdus. Vous allez pas y arriver, les gars. Vous voyez, j'ai encore gagné. Ah. Ok, tu sais conduire. On te file une nouvelle bagnole plus conforme à ton rôle. Navarro distribue les rôles dans les rues. Si tu nous rends bien service, mais le clan est un business. Ne l'oublie pas. Ça risque pas. Bien. Bienvenue au sein du clan. C'est bon, je m'en occupe. Navarro, je viens te chercher.